Donc, après cette petite pause, nous reprenons nos travaux avec un nouveau bloc, une nouvelle thématique, naturellement en lien avec celle que nous venons de quitter, religion et législation en santé. Nous attendions l'intervention de Monsieur Claes, ancien député de la Vienne, spécialiste du droit de la bioéthique, qui devait évoquer avec nous la question du droit de la bioéthique et des convictions religieuses, la façon dont le droit de la bioéthique devait tenir compte, peut-être pas pour les décliner, mais à tout le moins tenir compte des convictions religieuses. Hélas, Monsieur Claes ne veut pas être avec nous parmi nous pour des raisons impérieuses d'ordre familial. Nous espérons que tout va bien pour lui. Nous allons donc devoir nous passer de Monsieur Claes, qui nous permet d'embrayer directement sur la thématique suivante, celle qui m'a été donnée à traiter, la prise en charge, ou plus exactement les débats sur la prise en charge par la sécurité sociale des actes non thérapeutiques à motif religieux. C'est un débat qui, une question qui va faire écho au propos qu'a tenu le professeur Benaki il y a quelques minutes de cela. Et avant de commencer et avant de dire quelques mots sur ce sujet-là, je tiens à repréciser ou à préciser la façon dont fonctionne la prise en charge des soins en France. La distinction des actes entre guillemets médicaux pouvant être effectués par les médecins repose sur trois catégories. Nous avons des actes qui sont interdits aux médecins, que les médecins ne peuvent pratiquer, et le professeur Benaki l'a évoqué ou les a évoqués il y a quelques instants. Nous avons des actes qui peuvent, qui doivent même être pratiqués par les médecins et qui, parce que reconnus socialement comme étant nécessaires, et nous aurons l'occasion de discuter de ce point-là, sont en plus pris en charge, subventionnés par la sécurité sociale, par l'État. Et entre ces deux actes, ces deux types d'actes, des actes qu'on pourrait dire interdits et puis des actes qu'on pourrait dire encouragés, et encouragés parce qu'ils sont subventionnés, donc on veut faciliter leur réalisation, nous avons des actes intermédiaires que les médecins peuvent pratiquer, mais qui pour autant ne reçoivent pas l'onction de l'État ou l'onction de la solidarité nationale parce que la sécurité sociale refuse leur prise en charge. Cette distinction, non pas binaire, mais tripartite entre les actes, ménage ce que nous évoquions il y a quelques instants, une sorte de zone grise dans les actes médicaux ou potentiellement réalisables, où l'État n'approuve pas, ne désapprouve pas, mais que l'État n'encourage pas particulièrement. Donc il faut bien avoir ça en tête. Donc lorsque nous allons discuter la question de la prise en charge par la sécurité sociale des actes non thérapeutiques à motif religieux, nous n'allons pas débattre de la question de savoir immédiatement si ces actes sont autorisés ou non, s'ils sont bons ou non, s'il est bon ou pas que l'État les réprime, les interdise ou au contraire les autorise. Nous discutons simplement de la question de savoir si la solidarité nationale doit prêter son concours à la réalisation de ces acteurs. Je voulais recadrer juste ce débat en disant que c'est pas parce que on peut critiquer la prise en charge ou la non prise en charge par la sécurité sociale de certains actes que pour autant l'opinion exprimée à propos de cette prise en charge traduit une opinion à propos de la réalisation de ces actes mêmes. On peut tout à fait, et ce sera à bien des égards, bien souvent ma situation, considérer que l'acte peut être réalisé par telle ou telle personne ou sur telle ou telle personne à la demande du patient ou celui qui se présente tel qu'un patient, sans pour autant plaider fermement pour sa prise en charge par l'État, parce qu'on considère que la solidarité nationale n'a pas besoin de jouer. En gros, la liberté individuelle justifierait que l'on ouvre la faculté aux individus de recourir à de tels actes, mais que pour autant, ce n'est pas à la sécurité sociale, à la solidarité nationale, à chacun de supporter la réalisation des actes. Je tenais vraiment à poser cette base avant de commencer mon intervention, notamment au miroir de ce que vient de dire le professeur Benaki. Alors cette précaution, ce prolégomène, qui est une précaution en réalité étant posée, il faut traiter donc les débats sur la prise en charge par la sécurité sociale des actes non thérapeutiques à motif religieux. Il faut le dire d'emblée, j'ai toujours eu, j'ai encore, de profondes réticences
à évoquer la religion. C'est pas que le sujet religieux ne m'intéresse pas, ce n'est pas que, comme d'autres, je n'ai pas moi-même mes propres guerres de religion interne. C'est simplement que je suis persuadé intimement que la religion, lorsqu'elle est l'objet d'un droit, lorsqu'elle est l'objet d'une liberté, la liberté de conscience ou la liberté d'expression, ou d'autres droits ou d'autres libertés, la religion n'a et ne doit avoir aucune originalité. C'est un objet de croyance, un propos tenu ou une manifestation quelconque, exactement comme les autres, et elle ne mérite pas, me semble-t-il, qu'on y attache une importance particulière. Lorsque je dis qu'elle ne mérite pas, je ne veux pas dire, de près ou de loin, que, en quoi que ce soit, le sentiment religieux ou les manifestations religieuses sont privées d'un quelconque mérite qui leur est propre ou doivent être moins dignes d'intérêt. Je veux dire simplement que ce sentiment, que ces manifestations ne doivent pas être traités différemment des autres sentiments ou des autres manifestations. Ils n'ont pas davantage de valeur et ils n'en ont pas moins non plus. Et ce propos, qui est une conviction personnelle, ce n'est pas simplement une affirmation, c'est une prescription, en tout cas ça devrait être une prescription. Si l'on déroge à ce principe, on renie, on est nécessairement conduit à renier simplement les fondements de nos institutions et les fondements de notre mode de vie. Alors, ne voyant pas la raison de distinguer ce qui est religieux ou le religieux d'autres sentiments, j'ai naturellement, alors j'en suis désolé pour les étudiants du Master 2 qui ont eu la gentillesse de me proposer peut-être ce sujet, mais donc ne voyant pas la raison de distinguer ou de mettre à part le religieux par rapport aux autres sentiments, j'ai une aversion naturelle pour toutes les questions, pour tous les discours qui de près ou loin intègrent le mot. Je ne peux pas m'empêcher, lorsque le mot religieux rentre dans un sujet ou dans le débat, je ne peux pas m'empêcher de soupçonner chez celui qui pose cette question spécifiquement religieuse, qui tient ce discours spécifiquement à propos de la religion, je ne peux pas empêcher de voir chez lui une malice anti-religieuse. Et cette malice anti-religieuse, j'ai une très grande tendance à l'interpréter tout simplement comme une malice anti-liberté. Alors pourtant, je n'oublie pas que la première fois qu'on a souligné la spécificité religieuse au sein de nos textes, c'était en 1789, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors à ce propos, c'est toujours amusant de rappeler que cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fut proclamée sous les auspices de l'être suprême, la religion n'est pas très loin, et elle fut approuvée par le roi, comme quoi les valeurs républicaines ont des origines toujours très originales. Cette parenthèse mise à part, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est afférent à la liberté d'opinion, contient une incise, même religieuse. Je vous relis le texte. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. La raison de cet ajout, de cette incise, il faut relire les débats de l'Assemblée de l'époque, était de garantir expressément la liberté religieuse, et non pas de suggérer que parmi les opinions religieuses se distinguaient par nature. Or, c'est pourtant de cette dernière coloration qui est désormais empreinte la référence à la religion lorsqu'elle est utilisée dans le débat public. Lorsqu'à propos d'un droit ou d'une liberté, on évoque la religion ou le caractère religieux, ce n'est pas pour sous-entendre qu'il faut aux faits religieux la même protection qu'au fait d'une autre origine, mais pour souligner que parce que religieux, le fait poserait des difficultés particulières, des difficultés plus aiguës, des difficultés qui exigeraient une réaction plus ferme ou une attention elle-même particulière. Et pourtant, je n'ai aucune sympathie particulière pour le mécanisme ou pour l'activité qui consiste à prier dans la rue, j'ai aucune sympathie particulière pour les prières de rue, mais objectivement, elles me dérangent beaucoup moins que la sortie du Parc des Princes un soir des matchs. Dans les deux cas, vous avez des gens, des hommes, qui sont agglutinés les uns sur les autres ou les uns à côté des autres comme vous le souhaitez, curieusement habillés et qui occupent l'espace public. Ils crient, ils se traînent par terre, très bien. Ceci posé, je laisse à chacun le soin de décider où est la vraie menace à l'ordre public. Et à ma connaissance, il y a eu plus de morts à la sortie des stades de football que sur les parvis des mosquées. Aussi, cette peur, cette crainte, cette suspicion que j'ai à l'égard de celui qui me demande de me prononcer sur quelque chose de religieux, eh bien, je l'ai également à propos du sujet qui m'est aujourd'hui donné à traiter.
la prise en charge par la sécurité sociale des actes non thérapeutiques à motif religieux. Et mon premier réflexe fut de m'interroger, pourquoi intégrer à motif religieux? Est-ce qu'il faut comprendre qu'il y a une spécificité quelconque liée au caractère religieux des actes qui seraient non thérapeutiques au sens du sujet? Est-ce qu'il faudrait comprendre que parce qu'ils sont exécutés pour des raisons religieuses, parce qu'ils peuvent être exécutés pour des raisons religieuses, ces actes devraient connaître, en ce qui concerne leur prise en charge, un régime juridique particulier? Alors je comprendrais que le personnel religieux s'intéresse à la question. Finalement, la prise en charge des actes inspirés, voulus, souhaités, incités par la religion sert la propre influence du personnel religieux ou de la religion. Ça permet d'arguer de la reconnaissance par l'État de la religion et de la pratique commandée par la religion. Ça permet de fluidifier la pratique religieuse. Bref, on comprend tout à fait le souci légitime que le personnel religieux pourrait avoir à propos du sujet. Et après tout, en formant de telles réclamations, en demandant à ce que des actes motivés par le sentiment religieux soient pris en charge par la sécurité sociale, eh bien le dit personnel religieux ne ferait qu'user pleinement et simplement de sa liberté d'expression. Il a le droit de réclamer la prise en charge par la sécurité sociale des actes qui sont commandés, et c'est aussi le droit de l'État de refuser cette prise en charge, le droit de la nation de refuser cette prise en charge. Très bien. Mais que la question se pose du côté du personnel religieux, je ne comprends pas qu'elle se pose du côté de la sécurité sociale. Et du côté de la sécurité sociale, sous-entendu, du côté naturellement de l'État. Parce que derrière la sécurité sociale, il ne faut pas se leurrer, nous avons les pouvoirs publics. Donc la question c'est, pourquoi se poser cette question-là sous l'angle de la sécurité sociale? Et alors, à cette question-là, pourquoi il n'y a que deux réponses possibles et qui reposent chacune sur une prémisse opposée? Ou bien la sécurité sociale poursuit comme unique fonction, comme unique but, la réalisation du droit à la santé. Alors, seul lui importe le caractère thérapeutique de l'acte ou de la spécialité qui est consommée, et le caractère religieux qui éventuellement imprégnerait l'acte qui est demandé ou dont le remboursement est demandé est parfaitement indifférent à l'institution. Et à ce moment-là, la question ne se pose plus. Finalement, on pourrait réduire le sujet à la question de la prise en charge par la sécurité sociale des actes non thérapeutiques, la locution à motif religieux est privée de tout intérêt. Ou bien la sécurité sociale poursuit une autre fin et on admet que tout autant qu'elle réalise le droit à la santé, elle a aussi pour fonction de promouvoir des comportements et par-delà, vraisemblablement, de promouvoir des valeurs. Et alors, le caractère religieux de l'acte lui importe. Peut-être pour promouvoir l'acte, s'il est conforme aux valeurs défendues par la sécurité sociale, ou alors pour chasser l'acte, pour écarter le remboursement, si au contraire, l'acte en question n'est pas conforme et contraire aux valeurs défendues par la sécurité sociale. Et cette deuxième branche de l'alternative, c'est-à-dire la possibilité que la sécurité sociale poursuive une autre fin que la pure réalisation du droit à la santé, est particulièrement problématique. Et elle est particulièrement problématique, non pas à raison de ces autres valeurs que la sécurité sociale pourrait porter, qu'elle promeut, mais à raison de la discrimination latente, même si le mot peut effrayer, je le conçois, que recèle le seul fait de promouvoir des comportements plutôt que d'autres. Car dès lors qu'on se prive d'un critère objectif, en l'espèce, le caractère thérapeutique. Dès lors qu'un acte ne répond à aucun besoin thérapeutique donc, il faut admettre en droit qu'il s'agit d'un acte de pure convenance personnelle. Alors je dis bien que c'est une admission en droit, j'ai parfaitement conscience, et nous aurons l'occasion d'en évoquer, que certains actes qu'il faut qualifier en droit comme de non thérapeutiques, parce qu'ils ne se rattachent pas immédiatement à une maladie, traduisent en réalité un besoin de fait, mais pour des questions de pudeur, on dissimule les choses, j'y reviendrai par la suite. Et il faut bien comprendre que dès l'instant où on abandonne le caractère thérapeutique comme critère dans l'intervention de la sécurité sociale, eh bien ça veut dire que la sécurité sociale prend en charge, indemnise, supporte des actes qui sont juridiquement de convenance personnelle, qui doivent être qualifiés tels quels. Or, soutenir par le remboursement des actes de convenance personnelle plutôt que d'autres
au prétexte que la dite convenance personnelle épouse les valeurs sociales, c'est-à-dire c'est rien d'autre que la discrimination. On promeut une morale d'État et on ignore, si par ailleurs même on ne la réprime pas, les autres morales. Et ainsi, on voit rejaillir, certes par la petite porte à propos de notre sujet, mais la contradiction interne qui tiraille, me semble-t-il, aujourd'hui notre société tout entière. D'un côté, une volonté de proclamer nos valeurs, si possible républicaines, au point d'entraver celles des autres, voire d'imposer nos valeurs à tous. Et c'est typiquement ça, on promeut la sécurité sociale en prenant en charge des actes non thérapeutiques, assure la promotion d'autres valeurs que simplement le droit à la santé, et on entrave l'expression des autres valeurs parce qu'on ne prend pas en charge les actes que ces autres valeurs commandent. Donc d'un côté, une volonté de proclamer nos valeurs, de les défendre, y compris par le biais de la sécurité sociale. Mais de l'autre, l'oubli que parmi nos valeurs, il y a également la liberté et l'égalité. Dans cette contradiction, eh bien, en matière de sécurité sociale, nous sommes tombés tout seuls en suivant des esprits peut-être mal inspirés, pour lesquels longtemps et jusqu'à aujourd'hui, toujours aujourd'hui, le slogan tient lieu de réflexion, et qui ne voyaient pas ce qui était pourtant évident à compter de 1975 lorsqu'ont eu lieu les débats sur l'avortement. Aussi longtemps que l'action de la sécurité sociale était limitée ou est limitée au remboursement des actes thérapeutiques, notre conflit intime entre la volonté de promouvoir nos valeurs et l'impératif d'égalité et l'impératif de liberté n'existe pas. Dès lors que, par pure idéologie, on fait sortir l'action de la sécurité sociale du strict domaine thérapeutique, non seulement nous révélons notre faiblesse, la nécessité de défendre nos valeurs contre d'autres, mais encore nous entrons mécaniquement en guerre, notamment contre les religions. Et on a donc bien deux schémas possibles qui s'opposent. D'une part, la sécurité sociale axée exclusivement sur le droit à la santé. D'autre part, la sécurité sociale qui joue un autre rôle, qui promeut d'autres valeurs. Et ces deux schémas possibles, ces deux façons différentes qu'a la sécurité sociale, que nous avons en tant que société, de concevoir la nécessité d'action de la sécurité sociale, elles correspondent en réalité à deux époques différentes. Une première époque où la sécurité sociale est effectivement concentrée sur le critère thérapeutique. Le but de l'action de la sécurité sociale, c'est exclusivement thérapeutique, et on fait tout pour se tenir à la réalisation de ce but. Et c'est une époque qui va grosso modo des années 70 jusqu'aux années 90. Et puis petit à petit, la nécessité ou l'étoffement du rôle de la sécurité sociale, la recherche de la satisfaction d'autres valeurs par la sécurité sociale, qui nous conduit à abandonner le critère thérapeutique comme critère exclusif de l'action de la sécurité sociale dans l'action de remboursement, et partant une inégalité, voire une discrimination qui est susceptible d'être avérée. Alors, vous aurez compris, il y aura deux parties dans mon intervention. D'abord, la promotion du critère thérapeutique, et puis ensuite, l'extinction, la disparition du critère thérapeutique. Alors, à ce stade, en rentrant dans cette époque de la promotion du critère thérapeutique, il faut en premier lieu que je répare une erreur méthodologique, mais volontairement commise, qui tenait à l'absence de définition au cours de l'introduction de l'un des termes du sujet, et pas des moindres, le caractère thérapeutique. En apparence, les choses sont simples. La mission de la sécurité sociale, c'est la protection de chaque assuré social, et là je cite, contre le risque et les conséquences de la maladie. Et je vous renvoie notamment, c'est l'article de base, mais lié à cette déclinaison par la suite dans d'autres articles du Code de la sécurité sociale, c'est l'article L111-2-1 du Code de la sécurité sociale qui nous donne cette expression, contre le risque et les conséquences de la maladie. Donc en apparence, les choses sont simples. Mais au-delà des apparences, la difficulté est plus grande. D'abord, la difficulté, elle a trait à la définition même de la maladie, et cette définition n'a strictement rien d'évident. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une définition médicale de la maladie, et en tout état de cause, il est certain qu'il n'y a pas de définition juridique. Le Code de la Sécurité sociale connaît de la maladie, mais il connaît également d'autres notions qu'il distingue très imparfaitement de la maladie. J'en évoque deux, mais il y en a d'autres encore. L'état pathologique, l'affection. Donc déjà, quand on donne cette mission de la sécurité sociale, le mot maladie est un mot qui est incertain. Ensuite, l'article L111-2-1 du Code de la sécurité sociale vise
les actes qui ont pour objet le traitement des conséquences de la maladie, c'est le texte même du terme, parfait. Et ça tombe bien parce que cette idée de traitement, c'est la définition que nous donne l'Académie française du mot thérapeutique. Le mot thérapeutique, c'est l'adjectif, c'est qui est relatif au traitement des maladies. Alors, au passage, on va juste s'amuser parce que lorsqu'on lit le dictionnaire de l'Académie française, on apprend en même temps que thérapeutique, ça vient du grec thérapeutes, qui désigne certes l'acte de soigner, mais également la fonction de servir un dieu ou de rendre un culte à un dieu. Et à tel point que les thérapeutes dans l'Antiquité sont d'abord et avant tout les membres d'une secte juive. Vous voyez la façon dont on peut s'amuser à tourner le sujet à partir de cette définition. Mais bon, peu importe, on retient que thérapeutique, c'est la question du traitement. Autre mission assignée à la Sécurité sociale dans le cadre de l'article L111-2-1, traitement des maladies, certes, mais également une mission de prévention des risques. Et déjà, on sort de la définition du terme thérapeutique restrictive, celle qui est adoptée par l'Académie française. Donc la Sécurité sociale, elle va déjà au-delà du thérapeutique stricto sensu, en intégrant parmi ses missions, la prévention. Et donc on comprend d'emblée ou très rapidement que l'action de l'assurance maladie n'est pas évidemment limitée à la prise en charge des actes ou des spécialités de nature thérapeutique, en ce sens qu'il serait de nature curative. La Sécurité sociale va au moins au-delà, d'ailleurs sans que personne ne discute de cette action, elle prend en charge les frais nés à l'occasion de non-maladies, par exemple la maternité, et elle prend en charge des frais liés à la prévention des risques, autre action. Ce terme de prévention est un mot essentiel, et il possède au moins deux niveaux ou deux sens distincts. D'abord, un niveau individuel. La prévention est ici la préservation de l'individu lui-même et l'anticipation des maux qui pourraient atteindre l'individu. Il y a donc une approche individuelle, personnelle de l'action de prévention. Mais la prévention, elle a aussi une portée collective et elle se comprend également au niveau collectif. Dans ce cas-là, la prévention vise à prévenir des situations compromettantes pour un nombre important de personnes, pour l'ensemble de la nation, mais peut-être pas nécessairement pour l'individu lui-même. Et aujourd'hui, on a un très bel exemple de cette prévention collective avec la prise en charge à 100% des tests généralisés contre la Covid. Le test lui-même n'a qu'un intérêt que limité dans l'individu tant que celui-ci ne connaît pas de symptômes particuliers, mais en revanche, dans le cadre d'une politique globale, politique nationale de prévention du développement de l'épidémie, le test est utile. Alors je vous propose, pour les besoins, d'étendre l'acception du terme thérapeutique du sujet à ces différentes formes de prévention. Prévention individuelle et puis prévention collective. Et d'ailleurs, c'est ce que le sens commun fait à propos du mot thérapeutique. Et si l'on procède à cette extension du mot thérapeutique, si on admet que dans thérapeutique, on doit entendre l'action de la sécurité sociale, l'action curative, mais également l'action de prévention, alors, la politique menée par la Sécurité sociale en ce qui concerne les remboursements, jusqu'à la fin des années 90, grosso modo, est une politique qui est parfaitement cohérente, parfaitement respectable, et qui, au demeurant, sur les sujets les plus épineux, les plus discutables, et on a évoqué un peu plus tôt dans l'après-midi, la position de la Sécurité sociale est parfaitement conforme aux positions religieuses, et c'est notamment le cas à propos des soins palliatifs, ça a été très justement rappelé par Madame de Ribou tout à l'heure, il n'y a pas d'opposition de principe sur le fait de réaliser les soins palliatifs, ni sur la prise en charge des soins palliatifs entre la position de l'État actuel et la position, alors je ne connais pas toutes les autres religions, je vous prie de m'excuser, mais en tout cas avec la position de l'Église catholique. Prenons deux sujets susceptibles de fâcher. D'une part, d'abord le transsexualisme, rapidement, et puis ensuite la question de l'avortement. Et mettons à l'épreuve de la cohérence la position de la sécurité sociale au regard de ces deux phénomènes. D'abord, sur le transsexualisme, très rapidement. Le parcours de transition d'un sexe vers un autre était pris en charge par la sécurité sociale. Il l'est toujours, nous y reviendrons. Et cette prise en charge par le passé se comprenait, se justifiait, j'ai envie de dire, dès l'instant où l'État
et d'autres institutions du reste, considéraient que le transsexualisme était une maladie. Pas de problème, on prend en charge les actes en question. Sur l'avortement, une approche similaire, quoique différente. Sauf à soutenir que la maternité était une maladie, difficile de voir dans l'acte lui-même d'avortement l'aspect thérapeutique. Sauf que c'est pourtant sous cet angle thérapeutique que le sujet a été initialement abordé. Et c'est d'ailleurs parce que l'avortement avait une portée thérapeutique qu'un certain nombre de catholiques à l'époque ont voté la loi le dépénalisant, puis ont permis sa prise en charge quelques années plus tard par la sécurité sociale. Et il y a deux aspects thérapeutiques dans la loi de 75 sur l'avortement. D'abord, les motifs qui l'inspirent, et je pense qu'il faut relire le discours de Simone Veil, qui, contrairement à ce que l'on peut penser aujourd'hui, est radicalement différent de l'argumentation que peuvent tenir les défenseurs de l'avortement aujourd'hui. C'est un discours qui est construit radicalement différemment. Et je cite juste un court passage du discours pour bien comprendre la logique qui était suivie. Si des médecins, si des personnels sociaux, si même un certain nombre de citoyens participent à ces actions illégales, l'avortement était à l'époque illégal, c'est bien qu'ils s'y sentent contraints, en opposition parfois avec leurs convictions personnelles, ils se trouvent confrontés à des situations de fait qu'ils ne peuvent méconnaître. Parce qu'en face d'une femme décidée à interrompre sa grossesse, ils savent qu'en refusant leurs conseils et leur soutien, ils la rejettent dans la solitude et l'angoisse d'un acte perpétré dans les pires conditions qui risque de la laisser mutiler à jamais. Pourquoi l'État va autoriser l'avortement puis, très rapidement, le prendre en charge? Parce que il souhaite cesser des pratiques qui aboutissent à des handicaps et à des situations de santé graves pour les femmes. Et l'on retrouvait une deuxième fois la coloration thérapeutique dans la loi sur l'avortement, dans le texte même de la loi, à l'article L162-1 du Code de la santé publique de l'époque. Et cette dimension thérapeutique, c'était la condition tenant à la situation de détresse de la femme qui souhaitait recourir ou qui recourait à l'avortement. Tout le monde se souvient que, en droit, nul autre que la femme à l'époque pouvait caractériser ou non la situation de détresse, si bien que, en pratique, la femme était libre de pratiquer l'avortement. Mais pour autant, le droit sauvegardait entre guillemets les apparences en exigeant cette situation de détresse, tant et si bien que l'acte d'avorter était un acte qui était justifié par le mal, la maladie, la souffrance, la douleur, appelez-le comme vous voulez, qui touchait la femme. Donc on a bien une logique de prise en charge et d'autorisation d'un acte thérapeutique. Et arrivé à ce stade, la ligne est parfaitement claire. Le critère de prise en charge, objectif, est le caractère thérapeutique, entendu ou bien comme le traitement d'une maladie, je pense au transsexualisme, ou bien comme la prévention de celle-ci. Au demeurant, sur cette ligne-là, un modus vivendi peut s'établir entre la République et les religions. Alors, certes, les autorités de l'Église n'ont jamais approuvé par principe l'avortement, le recours à l'avortement, la législation sur l'avortement, mais une partie non négligeable de la population des catholiques de notre pays tolère, précisément à raison de cet impératif thérapeutique, l'existence ou la possibilité de l'avortement sur le territoire. Parfois même, au-delà du modus vivendi, c'est une collaboration entre la religion, une collaboration au moins, une jonction entre la religion et puis la loi civile qui s'opère, lorsque notamment il est question d'évoquer les soins palliatifs, je vous en ai dit quelques mots tout à l'heure, où les positions se rejoignent. Et surtout, le recours aux critères thérapeutiques permet de traiter les difficultés ou le conflit entre l'acte inspiré par la religion et la prise en charge par la sécurité sociale sous un angle dépassionné, objectivement, presque mesurable. C'est sous cet angle, de cette façon-là, que l'on peut apprécier les revendications religieuses en vue de la prise en charge de certains actes. Et du coup, la question qui va être posée à la sécurité sociale, ça va pas être de savoir si la sécurité sociale doit plier sous les revendications de la religion, mais uniquement de savoir si l'action de la sécurité sociale à propos des actes inspirés par la religion est justifiable au regard de la portée thérapeutique des 10 actes. Et c'est sous cet angle, c'est très intéressant, qu'à l'Assemblée nationale, il y a quelques années, sous la forme d'une question parlementaire, le débat sur la prise en charge de la circoncision fut porté. Alors pareil, je vais vous lire la question qui était,
qui est déposé. Le passage est un peu long, je vous prie de m'excuser, mais on voit bien la coloration. La députée nous dit, dans la question parlementaire, la circoncision n'est pas prise en charge par l'assurance maladie puisqu'elle n'est pas dictée, elle n'est dictée par aucune considération médicale. Elle revient entre 500 et 1000 euros à la famille qui la sollicite pour son enfant. Compte tenu de cet état de fait, nombre de circoncisions rituelles sont effectuées sous couvert d'une indication médicale car les familles ont tendance à beaucoup insister auprès du médecin, voire même à ne pas décaloter l'enfant pour qu'il développe un vrai phimosis impliquant la prise en charge par l'assurance maladie. Le moindre coût financier de l'acte est la garantie qu'il soit effectué dans les règles de l'art, donc sans risque de complications en comparaison avec les méthodes artisanales, constituent les principaux arguments qui conduisent à ces détournements et aux fraudes à l'assurance maladie, car la pratique ancestrale de la circoncision implique à taux important de complications, hémorragie, surinfection, plaies, mutilation du gland, nécessairement prise en charge par la sécurité sociale et générant un surcoût pour l'assurance maladie. Notez que l'on ne prétend pas que la circoncision, que l'acte lui-même est thérapeutique, mais que sa prise en charge pourrait avoir un effet thérapeutique au sens préventif du terme. Somme toute, c'est la déclinaison, mutatis mutandis, du discours de Simone Veil à propos de l'avortement. Celle-ci ne défendait pas que le fait que l'avortement était en lui-même thérapeutique, mais que sa réalisation de manière encadrée, et par extension sa prise en charge, avait une portée thérapeutique. Et à la question parlementaire qui était ainsi posée, la seule bonne réponse eût été de contester en fait le problème de santé publique soulevé par la pratique actuelle de la circoncision. Finalement, il aurait fallu faire une vérification factuelle de deux choses l'une, ou bien le problème existe et la prise en charge s'impose, ou bien il n'existe pas et la prise en charge ne s'impose pas. En revanche, il était parfaitement indifférent de savoir si la circoncision rituelle était ou n'était pas en elle-même un acte thérapeutique. Et ce n'est pas la réponse qui fut apportée, on se contenta de répondre en se concentrant sur l'acte, que celui-ci était un acte de convenance personnelle, qui à ce titre ne pouvait être pris en charge. Mais ce faisant, on répondait pas à la vraie question qui était posée par la députée en question. Et on voit donc poindre une discrimination, un rejet, une discrimination possible. On ne saura s'il y a une discrimination qu'après avoir vérifié l'existence ou non d'un problème de santé publique lié à raison des modalités pratiques d'exécution actuelles de la circoncision. Donc on voit donc poindre une potentialité de discrimination, et en revanche, cette potentialité de discrimination, elle va s'épanouir pleinement dès l'instant où la sécurité sociale va tourner le dos aux critères thérapeutiques comme critères exclusifs, comme critères essentiels de son action. C'est ma deuxième partie qui sera plus courte que la première. Je vous le garantis. Au cours des années 90, puis des années 2000, la sécurité sociale tourne, pour tout ce qui a trait aux mœurs, au rejet du critère thérapeutique. La maladie avérée ou potentielle est vue à propos des sujets qui ont trait aux mœurs comme une atteinte à la liberté ou comme une négation de la nature humaine. C'est pas la maladie, naturellement. C'est le fait de nommer maladie. Nommer la souffrance, intégrer cette nomination dans le droit, c'est vu comme une atteinte à la liberté ou une négation de la nature humaine. En 2014, la loi retire la condition de détresse exigée, et si faiblement, de la femme qui demande à avorter. Et donc, ce n'est que en 2014 que l'avortement devient un droit. Il n'est plus nécessaire de justifier, même par le seul fait de le dire, qu'on est contraint, à raison de la souffrance qu'on supporte, de la détresse qu'on supporte, d'avorter. C'est en 2014 qu'on a notre droit à l'avortement, etc. Et c'est un droit si fort que c'est un droit purement discrétionaire. Aucune critique, enfin aucune limitation à ce droit est susceptible d'être apportée dans les limites fixées par la loi. En 2010, quelques années plus tôt, puis en 2019 par l'OMS, c'est le transsexualisme qui est retiré des maladies. Et ce changement n'a pas été sans conséquences, puisque le syndrome du transsexualisme, pour reprendre les termes employés par la Cour de cassation à l'époque, puisque le syndrome du transsexualisme donne aujourd'hui la possibilité aux personnes qui en font la demande, de réclamer le changement de sexe à l'état civil. Alors, on a des conditions à respecter sur le changement de sexe à l'état civil, mais la démarche qui doit être faite par celui qui fait cette demande est une démarche qui n'est plus contrainte par une idée de maladie, c'est simplement l'expression d'un droit. La loi indique que celui qui remplit telle ou telle condition peut demander.
Et on est donc bien sur une démarche qui est purement volontaire. Et il faut aller jusqu'au bout de la logique. On est sur une situation qui n'est plus liée à une maladie, parce qu'on a retiré la maladie de la liste des maladies. Et ensuite, on admet que des conséquences civiles importantes, comme le changement de sexe à l'état civil, ne sont non pas une conséquence nécessaire d'une situation qui est constatée, mais bien le fruit de la volonté de celui qui est dans cette situation. Donc on reconnaît dans notre droit civil le caractère parfaitement libre de la volonté de celui qui va demander son changement de sexe sous les aspects du transsexualisme. Et dans un cas comme dans l'autre, les traitements, que ce soit la prise en charge de l'avortement ou du parcours de transition dans le cadre du transsexualisme, demeurent pris en charge par la sécurité sociale. Et à ces prises en charge-là s'ajoute une montée en puissance des prises en charge afférentes à la contraception. Depuis 1974, pour la pilule, et puis ces mécanismes de prise en charge n'ont eu de cesse de croître. Cette prise en charge, au demeurant, et y compris dans les années 80 et 90, pourtant fortement marquée par le sida, ne s'est pas étendue, sauf à de très rares exceptions, aux préservatifs, qui sont pourtant au cœur de l'activité préventive de l'État à cette époque. Et donc là encore, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit qu'on va prendre en charge une consommation médicale qui n'est pas directement liée à un impératif thérapeutique. Aussi donc, nous retrouvons un certain nombre de dépenses qui sont engagées à la seule discrétion de l'intéressé, entendu par le fait que l'intéressé n'est pas même poussé à raison d'une situation de santé à consommer à engager ces dépenses. Donc on a un certain nombre de dépenses qui sont prises en charge par l'État, par la sécurité sociale, alors même qu'elles sont privées de liens directs et même parfois indirects avec l'enjeu thérapeutique. Et alors, sans vouloir être gratuitement provocateur, comment expliquer que ce qui n'est plus par la volonté publique un acte de prévention ou de traitement puisse bénéficier de la subvention de la sécurité sociale? Et donc, il faut arriver au constat. Il n'y a pas d'autre explication que le fait que la sécurité sociale, l'État, décide d'adjoindre à l'impératif de santé poursuivi d'autres valeurs. Et ici, on les trouve très rapidement, les autres valeurs. Pour le transsexualisme, c'est l'égalité. Pour la prise en charge de la contraception, c'est l'égalité entre des femmes, notamment celle des femmes. Et en soi, la poursuite de ces buts-là est tout à fait louable. Et les hommes, notamment en ce qui concerne la contraception, j'en suis convaincu, sont les premiers gagnants de cette évolution. Mais cela pose un problème si on recherche la cohérence. Et deux problèmes, pour être exact. Le premier, c'est qu'on est en droit de s'interroger sur la question de savoir pourquoi un acte de convenance personnelle, tel le changement de sexe, est remboursé et non d'autre. Et la réponse, en l'espèce, on la connaît, elle réside dans la souffrance subie par les transsexuels, donc leur maladie, leur affection, pour reprendre les termes qui sont actuellement en vigueur, mais il n'en demeure pas moins que cette affection, cette maladie, n'est plus reconnue par l'État. Le second, qui est la suite du premier, c'est la discrimination qui procède et qui est révélée immanquablement du seul fait que la sécurité sociale prend en charge des actes de convenance personnelle. Et il y a à ce propos deux types de discrimination, une discrimination de principe et une discrimination de fait. Le premier type de discrimination, c'est une discrimination de principe. Il est évident, le législateur opère, notamment par le moyen de la prise en charge par la sécurité sociale, un arbitrage dans les valeurs. Une morale libertaire est privilégiée à une autre, souvent religieuse. L'une est aidée, l'autre est contrariée. Un changement de sexe est privilégié à une circoncision. Pourquoi pas? Mais le problème, c'est que dans notre ordre juridique, comment justifier un tel arbitrage? Il y a un second type de discrimination qui est peut-être plus fin, et qui est certainement plus pervers, c'est une discrimination de fait. Et pour s'en rendre compte, il faut essayer de se replonger un peu dans l'ancien temps, voire dans la littérature. À quoi servait jadis l'avortement? L'avortement servait notamment à prévenir l'exclusion de la femme de la vie sociale, encore très marquée par la religion. La reconnaissance du droit à l'avortement et sa prise en charge ont donc été, et sont encore aujourd'hui, outre des facteurs de maintien dans la communauté sociale. Et aujourd'hui, nous connaissons également d'autres femmes, venues peut-être d'ailleurs, mais qui sont désormais des nôtres, qui participent de notre cité, et qui, pour les mêmes faits, sont également menacées d'exclusion de leur maison, d'exclusion de leur lieu social.
Que réclame-t-elle? Nous en parlions il y a un instant. L'hyménoplastie, pour déguiser leur faute. Et voilà qu'on leur refuse, non l'acte, il est vrai, parce que de fait, il est réalisé, mais sa prise en charge, tout en sachant pertinemment qu'il en découlera pour elle des difficultés très, très aiguës. Or, aux yeux de la sécurité sociale, quelle différence entre ces deux actes dès lors que le critère thérapeutique est abandonné? Bref, pour ma part, vous l'aurez compris, je suis très mal à l'aise avec l'ensemble de ces mots, celui qu'on oublie, thérapeutique, qui s'estompe peu à peu, et puis celui qu'on évoque à tout craint, le mot de religion. Je vous remercie. Alors, après ces quelques propos, est-ce que j'ai pas eu le temps de regarder en même temps le chat, le refus de prise en charge pourrait-il constituer un recours admissible devant la Cour européenne des droits de l'homme? Alors, pour être tout à fait honnête, je ne suis pas un expert de la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur ces questions-ci. Je pense que on n'aura jamais d'intervention de la Cour européenne des droits de l'homme sur ce point-là. D'abord parce que la liberté religieuse, c'est d'abord le droit qui pèse sur une personne et non nécessairement l'obligation des autres de permettre l'expression de ce droit. Alors on sait que la théorie des aménagements raisonnables, on sait que l'obligation positive de l'État de laisser s'épanouir les sentiments religieux existe et peuvent être sanctionnés. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure à propos des aumôneries au sein des hôpitaux. Mais pour autant, le fait que l'État ne prenne pas en charge certains actes sera, me semble-t-il, difficilement une atteinte qui serait disproportionnée au regard de l'atteinte portée, qui serait une atteinte disproportionnée au sentiment à la liberté religieuse. Je veux dire par là qu'il est difficile de reposer. L'État pourra toujours opposer à l'idée de discrimination le fait ou la nécessité de sauvegarder les dépenses publiques en limitant la question des dépenses de santé. Et lorsque on examinera cet argument à l'aune de l'atteinte qui est portée en matière de discrimination, on risque assez rapidement de s'apercevoir que l'atteinte n'est finalement pas si considérable au sentiment religieux pour justifier une censure de la position de l'État. Donc, on peut toujours prétendre qu'il y a matière à discrimination à faire constater par la CDH, mais il y a fort à parier que cette discrimination sera écartée. L'impératif thérapeutique n'est-il pas un moyen? Alors, l'impératif thérapeutique n'est-il pas un moyen incitant les médecins à faire de fausses déclarations d'impératif thérapeutique, sécurité patient, structure non sécurisée? Alors, j'ai pas l'expérience des praticiens, mais j'ai compris des propos de Madame Benaki tout à l'heure que si les médecins jouaient avec ce point-là, et c'est peut-être ça, les médecins ont intérêt, enfin, vont avoir le loisir, le médecin qui est consulté a le loisir de rattacher l'acte qui est demandé à éventuellement un impératif thérapeutique. Je veux dire par là que la circoncision peut être prise en charge par la sécurité sociale si jamais elle se rattache à une maladie ou à un état pathologique particulier. Et s'il s'agit de traiter cette maladie ou traiter cet état pathologique, notamment le phimosis. Donc le médecin qui reçoit le patient peut naturellement rattacher l'acte lui-même a un enjeu thérapeutique. Et ce faisant, il justifie d'une part son intervention, nous l'avons évoqué tout à l'heure, mais il va permettre également la prise en charge par la sécurité sociale. Ceci posé, ce faisant, le médecin ment. Il ment aux organismes de remboursement de la sécurité sociale. Donc pour lui, ce n'est pas un acte anodin. Pour autant, il peut le faire, et la chance de contrôle si l'acte est ponctuel, et de sanction pour le médecin, est quasiment négligeable. Et c'est tout l'intérêt d'avoir cette zone grise, finalement, du médecin. Cette idée qu'il y a une zone frontière, une zone tampon, et que c'est au médecin de faire l'arbitrage. Ce qui, vraisemblablement, est sanctionnable et peut poser des problèmes, y compris aux yeux de l'assurance maladie, c'est un franchissement généralisé de la règle. Si ponctuellement, le médecin a cette soupape de sécurité, pour des raisons qu'il estime particulièrement importantes, particulièrement spécifiques, de pratiquer un acte et d'ouvrir à son remboursement, ben après tout, il me semble que c'est une nécessité sociale. Et précisément, le souhait que pourrait avoir un médecin de rattacher cet acte à un caractère thérapeutique, parce qu'il sait
que s'il ne le fait pas lui, dans son cabinet, les conditions de réalisation de l'acte risquent d'être déplorables. Et je passe envie de dire que c'est une chance et une bonne chose. Au demeurant, on a connu la même chose à propos du droit à l'avortement. Si on a une autre question, le changement de sexe, l'IVG n'ont pas forcément un motif religieux, en quoi pourtant la religion va intervenir dans les choix du législateur? Alors attention, l'objet de mon propos, c'était pas de dire que le changement de sexe et l'IVG ont un motif religieux. Le choix de mon propos, c'était de démontrer que la position de notre droit, ou le fondement de notre droit à propos du changement de sexe et l'IVG, a changé. Originellement, on prenait en charge pour une question thérapeutique, aujourd'hui on prend en charge au titre d'autres valeurs, l'égalité des femmes, la liberté individuelle. Et ça, ça change tout parce que du coup, on a un problème de cohérence dans la réponse que l'on va apporter aux demandes qui sont inspirées par un motif religieux. À partir du moment où vous prenez en charge des actes sur le fondement de la liberté individuelle, pourquoi il faudrait traiter différemment des demandes d'actes inspirées par la liberté individuelle non religieuse et des demandes d'actes inspirées par la liberté individuelle religieuse. Et c'est là où on a un problème de cohérence. En quoi pourtant la religion va intervenir dans les choix du législateur? Alors, la religion, elle n'intervient pas, je pense, spécifiquement dans les choix du législateur. C'est dommage que M. Clay soit pas parmi nous, parce qu'il aurait mieux répondu que moi à cette question-là, même si chacun des acteurs, chacun des personnes qui votent la loi a ses propres convictions religieuses ou non religieuses. Mais le législateur, il est quand même obligé de faire attention ou de veiller aux faits religieux. Il ne peut pas s'en émanciper. D'une part, parce que qu'on le veuille ou non, on est une société religieuse, en ce sens qu'on est chacun imprégné de nos valeurs et que même si on ne va pas à la messe tous les jours, on a peut-être un petit fond catholique en nous ou un petit fond musulman, ce que vous voulez. Donc le citoyen lui-même apprécie les lois à l'aune de ses propres valeurs et que ces valeurs du citoyen sont encore empreintes de religion. Ensuite, parce que le législateur, et c'est ça qui est intéressant dans la comparaison avec la loi sur l'avortement, et lorsqu'on le ramène au problème d'immunoplastie aujourd'hui, ou voire de circoncision, c'est que le législateur est obligé de prendre en compte le fait social que représente le fait religieux. Si vous avez des milliers de femmes qui tous les ans sont obligés de recourir à l'immunoplastie dans des conditions horribles, il faudrait bien que ces législateurs s'en saisissent. Donc il est obligé d'appréhender cette situation-là, même s'il ne l'approuve pas, même s'il la réprouve fortement, pour des questions de santé publique. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Qu'en est-il de la gestion de ces problèmes religion, thérapeutique, pathologie dans les autres États de l'Union européenne? Alors, je vous avoue que je ne suis pas livré à un examen de droit comparé, à la fois sur la problématique d'une part de la prise en charge et puis sur la problématique de l'autorisation des actes en question. L'impression que j'ai, mais qui mérite vraiment d'être confirmée, c'est que d'une part la question se pose partout, que d'autre part, elle n'est pas du tout reçue de la même façon dans les différents États, et notamment, je pense qu'il faut l'admettre, sur la question religieuse, la France est à part, à raison de sa tradition, à raison de la loi 1905, et qu'elle a une hostilité de principe à l'égard de la religion que non pas nécessairement, voire que non pas du tout, d'autres États, et notamment des États anglo-saxons. Et donc vous allez avoir des pratiques médicales à coloration religieuse ou inspirées par la religion qui vont être plus facilement développées dans d'autres États pour des raisons culturelles que chez nous, parce que nous, on a, qu'on le veuille ou non, on a un petit côté anticlérical qui demeure, et ce côté anticlérical qui demeure, il est perçu par ailleurs comme une discrimination reposant sur le critère religieux. Donc on a une plus grande acception à l'étranger que chez nous.